Je m'appelle Étienne Barillier, je suis né en 1947, j'ai donc trois quarts de siècle. J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu comprendre le monde, toujours voulu restituer à la fois les problèmes qu'il pose et les émotions qu'il me cause. Et c'est pourquoi j'ai écrit aussi bien des essais que des romans. Mais dans tous les cas, j'ai besoin d'écrire et j'ai envie de continuer parce que j'ai l'impression que je n'ai fait que commencer. C'est l'écriture qui me porte et qui me fait vivre. Mon roman Nour raconte l'histoire d'une héroïne de la Deuxième Guerre mondiale qui a été opératrice radio clandestine à Paris et qui a eu un destin tragique. C'est un personnage pour lequel j'ai une admiration immense et j'ai voulu exprimer cette admiration dans le roman. Je voudrais dire encore à ce propos, à propos de ma tentative, que j'ai cherché à être le plus près possible de la vérité historique, mais en même temps j'ai voulu mettre la fiction au service de l'histoire, c'est-à-dire pénétrer encore un peu plus dans la vérité intime du personnage, grâce à la fiction. C'est ce que j'espère avoir réussi à faire.